Clap de fin. Ça tourne. Parfait. Tout. Tout. Il y aura une princesse indienne sur son éléphant. Avec ses rabatteurs, le jour de la grande chasse au chagrin. Ah, c'était là, là. Juste là. Son marteau, il tape avec son marteau sur la cloche directe. Okay. En bas, réaction, j'ai quelques références. La réaction d'une mémé qui refait ses filets, t'as sonné, un papier avec son cheval, bing, un autre papier sur un pêcheur, boum, toi ils entendent. Bon. Alors, elle, c'est un jeu entre eux, elle panique en se bouchant les oreilles, tu vois. Lui, il empêche la cloche de vibroter. De continuer, ouais. Là, contre-champ, elle repart, c'est impossible à dessiner. Elle repart. Elle repart, bing, elle retape. D'accord. Gros plan, bing, au moment où elle arrive. Au moment où elle arrive, tac, voilà. Il tape. Et puis, plan large du clocher en contre-plongée. Et là, les coups décroissent. Ils ont traversé le No Man's Land. À la deuxième ligne allemande, ils s'en fait cueillir par les mitrailleuses. Regardez-vous un peu. Tu fais plus vieux par contre. Hein. Ouais, là, tu fais 28. Mais il m'a 35. Pour te voir, avec du même profil. C'est une chance qu'il m'ait condamné, sinon on aurait dû attendre la fin de la guerre. Là, du coup, je vais pouvoir rentrer à la maison tout de suite après l'exécution. Août 1912. J'étais plutôt bel homme, vous trouvez pas? Avant de mourir, j'ai une dernière volonté. Je voudrais pisser debout, comme un homme! Beurre salé, miel de Garande, cacao du Niger, hein? Allez, mange, gamin. C'est très japonais comme ça. Ouais. La farine de la yakitori, il aurait pu. Pourquoi ta conscience de travail, Speranza? Hein? T'aurais dû rester avec nous à Bingo. Ce qu'on peut imaginer à ce moment-là, moi j'avais pensé ça aussi, oui, c'est que. Mais ça, faut que tu le sentes. Et à ce moment-là, il arrache son bandeau, puis tu vois ses yeux brûler. Et là, il joue un peu à un espèce d'ange de la mort quand tu lui dis ça. T'aurais dû rester avec nous à Bingo.